Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le passage des 22 régions à 13 régions en France métropolitaine. La réforme a été initiée par le gouvernement de François Hollande et promulguée sous la loi du 16 janvier 2015 avec sa mise en œuvre effective en 2016. Avant cette réforme, la France était divisée en 22 régions. Suite à cette réforme, la fusion a abouti à la création de 13 nouvelles régions métropolitaines. Voyons maintenant les changements. Les régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie sont devenues les Hauts-de-France. Les régions de Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace sont devenues le Grand Est. Les régions de Bourgogne et de Franche-Comté sont devenues la Bourgogne-Franche-Comté. Les régions d'Auvergne et de Rhône-Alpes sont devenues l'Auvergne-Rhône-Alpes. La Provence-Alpes-Côte d'Azur est restée inchangée. Les régions du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées sont devenues l'Occitanie. Les régions d'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes sont devenues la Nouvelle-Aquitaine. Le Centre-Val-de-Loire est resté inchangé. Les pays de la Loire sont restés inchangés. La Bretagne est restée inchangée. Les régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie sont devenues la Normandie. La région d'Île-de-France est restée inchangée. Et pour finir, la Corse est restée inchangée. J'espère que cette petite vidéo sur les régions avant et après la réforme vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à liker. Et pour les plus généreux, le bouton « Merci » sous la vidéo est fait pour ça. Merci et à bientôt.